On parle aujourd'hui dans le journal de perte de centaines de millions de dollars en prêts étudiants, des étudiants qui doivent de l'argent au gouvernement. Ce serait important d'avoir un programme pour déceler les gens qui fraudent, pour voir à quel point dans ces centaines de millions-là, il y a de la fraude ou bien il y a vraiment des gens qui avaient besoin de cet argent pour étudier et dans quel état financier étaient ces gens-là lorsqu'ils ont demandé le prêt avant, pendant et après. Ce serait une bonne chose. La fraude...